toutes les couleurs de Caille Caraïbes avec Mazarin Peinture. Bonjour à tous, Caille Caraïbes poursuit à Fort-de-France. La capitale martiniquaise épouse le littoral avec un beau front de mer baptisé le Malécole. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un artisan qui a fait du bois flotté sa spécialité. C'est le thème de votre rubrique Shopping Caille. Corinne Cocone est une décoratrice d'intérieur polyvalente. Après avoir réalisé des études de décoratrice d'intérieur à Miami aux États-Unis, elle décide de revenir exercer en Martinique. Par manque de projet, Corinne se diversifie dans de nombreuses tâches liées à l'aménagement intérieur. De la peinture à l'électricité, elle touche à tout. C'est complètement par hasard que Corinne se lance dans le bois flotté. Une matière complètement atypique qui ne cesse de l'inspirer. Par nécessité, j'avoue, j'ai commencé à faire des meubles. Mais vraiment des gros meubles, genre le fauteuil, le canapé, la table, même des rocking chairs, enfin. Mais qu'est-ce que le bois flotté? Il s'agit de branches rejetées par la mer sur les nombreuses plages sauvages de la Caraïbe. Ce bois mort qui subit l'érosion de la mer, des courants et du vent prend alors un aspect pétrifié, propice à une seconde vie. C'est des espèces de branches que la mer ramène ou que les hommes ont abandonné et qui fait que... Mais on n'en trouve pas partout. C'est bon, on va trouver des petits morceaux sur les plages, des peaux courantes. Mais moi, je dois aller sur des plages sauvages. D'où la complicité avec des pêcheurs. Et pas question de façonner cette matière atypique. C'est le bois qui devient source d'inspiration et qui guide le travail de l'artisan. Tu façonnes pas le bois. Faut pas façonner. C'est-à-dire qu'il faut le laisser comme il est là et faire ton imagination travailler. Pour savoir, pour un encadrement, un pied, un repose-bras. Parce qu'il y a des bois qui peuvent faire des angles droits. Ça te permet de faire l'angle droit d'un miroir, mais ça peut faire aussi, ça dépend de sa grosseur, ça dépend. Lustre, banc, table basse, avec de l'imagination, toutes les formes et les fantaisies sont possibles. Reste à harmoniser cela avec votre décoration. C'est fini pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, Caille Caraïbes revient demain pour vous faire rêver. En attendant, prends soin des caillesottes. Toutes les couleurs de Caille Caraïbes avec Mazarin Peinture.